Eh bien, salut à tous et à toutes, de retour sur le poulpe. C'est même plus un jeu, c'est le poulpe. Le poulpe. C'est l'histoire du poulpe. Bon, du coup, on se retrouve dans donc, petite anecdote, il y a une petite anecdote avant de commencer. Nous, on a continué, mon frère a lancé exprès le poulpe, mais juste après, on s'est fait bouffer. Je savais pas que ça se passait comme ça. Donc maintenant, faut que tu traces. En fait, tu relâches et t'avances. Ouais, mais. Du coup, pour éviter de te faire bouffer par le requin. Donc là, c'est entièrement toi qui gère. Moi, je suis totalement spectateur. Maintenant, je comprends qu'il faut la masse de speed. Voilà. Donc, pour pas se faire manger par le requin. Regarde-moi comment je trace! Et voilà. Comme ça. Ah, mais t'as ouvert la porte comme ça, il suffit de sortir par la base. Bah, en fait, non, faut juste faire à fond et y aller. Même genre. Sans se faire bouffer. Bon, bah, c'était un échec, voilà. Et oui, y'a que. Let's go! Ah, y'a que toi qui gère, hein. Ouais. Moi, je suis un total spectateur, je te regarde faire. Ouais, faut les mettre en avant. À toi de gérer. Genre, tu vois, une fois que c'est jaune là. Ouais, faut le bon boost au bon moment, quoi. Je crois. Je crois que oui, c'est. Oui, voilà! Ça. Oh là! Oh, mais il va où? Il va où? Oh, oh, oh. Ah, il nous suit, quoi. Ah, mais il est vénère, il a l'air aucune trop simple! Genre que le truc il passe dans les méduses et tout quoi. Non normalement il crée, il fait. T'en fais pas bouffer. Oh mon dieu. C'est pas aussi con ça d'habitude. Non c'est plus petit, je crois qu'il va se rebouffer le requin. Ouais je me tire, c'est pas mon problème. Ah, c'est bon. Voilà c'est plus tranquille, normalement il devrait pas revenir. Hein. J'espère. La boue droite c'est énorme, il bouffe un requin. Putain. Où il sort. C'était 12 gros machins quoi. Oula. Là faut regarder. Ah, voilà, d'accord. Bon, on meurt pas, c'est mais juste que... Taras ! Vas-y ! Ah ! Boum ! T'entends bon ? Le poulpe d'acier, quoi. Oh ! Tiens, là, on peut mourir, par contre, je crois. Non, si tu te le prends, du coup. Vas-y. La position de... Caisse de poulpe. On dirait Carlos, tu sais... Là. Là, on peut se recouper ou pas? Hop là. Ouh, joli combo. Ah, t'es passé du bon côté. Hey, wow, non, ça il, va. Il passe. Oh, ah, putain. Mais putain! Mais c'est une blague! Il lui casse tout, lui, par contre. Il s'est pas encore fait bouffer, lui. Bah non. Ah, bah y'a les dauphins qui vont lui casser la gueule. C'était des dauphins ou. Des belugas. Non, c'est des dauphins, oui. T'es sûr? Oui, des dauphins blancs. Je suis pas sûr. Ah ouais putain. Oh ouais putain. On a notre escorte. Et il est passé où le requin? Il s'est faut pas monter. Mais tu sais il monte automatiquement, c'est pas moi qui gère. Hein. Genre tout ce que j'ai à gérer moi c'est Ah là, oui non, fallait pas remonter en fait. C'est ça en fait. C'était les dauphins qui remontaient. Aïe aïe aïe, je retourne dans l'aquarium, j'ai failli mourir. Bah oui. C'est plus logique. Bah on est... c'était pour sommer le requin en fait. Là on est... apparemment on est zen. Have you seen your father? Et alors on va se dire, je reste dans mon aquarium ou je rejoins ma vie de famille. Eh regarde, c'est papa. Encore un mystère. Bon, bon, on va l'attendre tant qu'on pourra. Daddy. Excuse me, ma'am. J'ai une nouvelle sujet à toi de mari. Je l'ai cuisiné. C'est un poulpe. Are you an old friend of my husband's? Non. Pas trop, non. Non. Pas tellement, non. Putain, on dirait vraiment un italien. C'est un grand malade, ce mec. Avec son grand bonnet, là. Comment la cafetière? Balbulation de dernière son sans faille, attention. Je vais le détruire. Putain, mais... Il va finir en sushi, le custo. Ouais, je me ferais bien des sushis, tiens. Ouais, c'est bon, plus j'avais la dalle. Ah oui, c'est vrai, t'as pas mangé. Ouais. Pris au débeauté, comme ça, là. Pris au dépourvu. Allez, à la cafétéria. Ah. Oh. Je suis un tuyau. Ah, hop, on s'habille avec une tortue. Bon, bah, du coup... Allons, on va aller par là, je crois. Bonjour. Oh non, on me dit pas que c'est... En fait, c'est la jambe qui est... Okay. Oh, il y a écrit juste employé le lieu partout. Partout. C'est vraiment des gamins. Ah, bon bah c'est pas là. Bon bah voilà. Voilà. Hop. Oh. Petit rattrapage vol. Ah, bah c'est pas là non plus. C'est par là-bas. Ce
ce bras, juste ce bras, quoi. Ah, mais c'est le magasin Il a fermé le magasin. Pique la caisse, vas-y. Mais on se casse. Allez, on se casse. Pardon, ça fait de la musique. Ah, vas-y, garde-la, c'est amusant. Putain, y'a pas un truc qu'on peut attraper pour se mettre sur la tête? Y'a pas si, un costume? Si, là-bas, y'a des chapeaux. Mais faudrait un costume avant un chapeau. Bon, bah, on a pas de costume, mais bon. On peut la lâcher, la caisse, je crois. Ouais, une... Ah, mais c'est moi qui l'a. Ah non, faut la garder, attends. J'ai une très bonne idée, garde-la. Je sais pas pourquoi. Parce que je crois qu'on en aura besoin pour. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, peut-être. Ah non, trouver la clé. Voilà. On a un chapeau, c'est bien. Elle est où la clé? La clé! Où est-ce qu'un mec logique fout sa clé? Là-dedans. Là-dedans? Non. Non. Non, je pensais. En dessous d'un truc? Mais, c'est drôle, c'est parce que je. Et en plus, elle est là! Elle est où? Et là, là, là! Ah oui. Ah bah tu l'as. On a rentré tout le magasin. Ah mais... Ne faites pas ça chez vous. Alors attends. Tu peux faire ça chez vous, mais rangez après, hein, bien sûr. Hop. Ouais, c'est là. Ah oh. Oh. Ah, par contre, faut faire gaffe, c'est des scientifiques. C'était pas par là. Attends. Oh putain, attends. Attends. Ah oui, ça c'est pas con ça. Eh hé hé. C'est pas totalement con ça. Attends. Accessoire biologiste, attends, il manque des trucs. Il manque des lunettes. Faut trouver des lunettes. Qu'est-ce que... D'accord, c'est le truc du guide. C'est le plan. C'est le plan. J'ai un gars qui chie dans tous les boutons. Ah, il y a un truc dedans, là. Il y a une fausse barbe, je crois. Ce qu'il nous faut, c'est là-dedans. Là-dedans. Ah, il y a les lunettes là-bas sur le comptoir. Faut lâcher le truc. Ah... Des tournevis, du scotch. Hop. Voilà, on a les lunettes. Non mais... C'est... Ah d'accord, faut attraper le truc là-haut. Ah donc c'était bel et bien ça qu'il fallait attraper. Ouais. Il est où attraper? Comment on fait pour l'attraper? Ah faut jeter des dessus peut-être, non? Bah ouais, c'est ce que je me dis puisqu'on peut les enlever. Attends. Sinon, c'est... essaie de te rapprocher. Attends. Ah voilà. Hop. Non, bon. Attends. Y'a pas moyen de monter dessus Monte sur le comptoir. Eh mais c'est... Oh mais putain. J'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais. Comment on fait? Bah déjà si j'arrive à me tripatouiller, y'a une échelle là en fait. Bah oui. Bah voilà. Prends ce chien. Donc il faut la prendre de l'autre côté. Oh putain, mais... Tu peux lâcher le haut, je crois, en fait. Repasse les jambes par-dessus le comptoir. En fait, c'est juste... Voilà. Tu peux lâcher le haut, je crois, aussi. Effectivement, c'est vrai qu'on en a pas vraiment besoin. Allez, vas-y. Petit exercice de gambette. Non, mais putain. Bah... Tu tiens un truc, là. Bah, je fais de la gym. Non, c'est de l'autre côté qui monte l'échelle. Et non, mais attends. Décoince ta patte. Bah, si je pouvais, je le ferais, oui. Ah, voilà. Ah, voilà. Alors. Il y avait la patte collée, quoi. Ouais, t'es collé, tu sais, ça faisait... Le tentacule est collé. Mon tentacule est collé, madame. Voilà. Oh. Presque. Tiens. T'as des soucis de perspective. Ah, j'ai des soucis de poulpe, surtout. Non, tu ne vois pas très bien. C'est des problèmes de poulpe. Ah. Ah. Voilà. Il reste des trucs, là, sur le toit. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Ah non, pas démolir la caisse. Ah. On glisse. Fais comment pour démolir la caisse? Tu sais pas, tu mets deux coups de... Oh, regarde. Je suis pas du bon côté parce que je vois pas comment... Comment on peut l'ouvrir ce truc? Et moi, je peux te dire que ça me fait chier leur truc. Mais sors de là, déjà. Mais si. Mais si. Ah bah voilà. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Ah bah... Oh bah d'accord, t'as tout pété. Mais attends, mais c'est quoi? C'est pas de la barbe, ça? Non, c'est une perruque de sirène. Oh non. Quoi? Il a mis ça comment?
Ouais, sur la tête. Je suis belle. Entrer dans les toilettes pour dame. I'm just saying theoretically possible. If one of them bon, pas si aperçu. Ladies, là. Mais pour vivre parmi nous, ils ne le saurions jamais. Pendant que tu dis, tu pourrais déboucher les toilettes. Super. Pour moi, c'est nous qui devons taper les chiottes. C'est lesquelles qu'il faut déboucher? Moi, je dirais que c'est celle-ci. Ok. Alors. Attends, mais lâche la ventouse. Ok. Ah bah non, ils me disent aller à la cafétéria, qu'est-ce qu'on se fait chier? Oh non. Ah bah oui. Oh, les portes qui s'ouvrent que dans un seul sens. Ouvre-toi, Sésame. Voilà. Et attends, il y avait un truc par terre. Il y avait un truc par terre. Dans la chiotte. Ouais, tu me dis ça quand j'ai pas. Bon bah tant pis. Trop tard. je pense pas qu'on allait se faire aspirer, mais trop tard. Trop tard. Hear something coming from the break room. It's probably just Joe. Ouais, on s'en bat les couilles. Un donut. Oh, toi, tu les manges? Donut. Déclencher une alarme. Voilà, quand on déclenche une alarme. Ah, c'est pas mal ça. Attends. Attends, on se crame les tentacules, hein, fais gaffe. Hein. Ah, ça y est, ça a déclenché l'alarme, c'est bon. Mais non, ça craint! Sortez de la salle de repos. Mais non, Joe, il t'inquiète. Sortir. Vas-y, avec tes jambes. Bah, je... C'est bon. J'ai presque. Elle veut pas rentrer. Allez. Ah! Voilà. Putain! Holy shrimp. Oh les shrimps! Qu'est-ce que tu fais? La tête qui passe pas. Ah bah c'est... Oh attends, regarde. Technique de ninja. C'est bon du coup on peut aller à la cafette hein. Bah ça si tu veux lâche pas lâcher les chiottes hein. Ah fais chier. Oh les chouettes. C'est pas mal la sortie. On se sèche le boulbe. Se sèche le boulbe. C'est où qu'il faut aller? C'est vrai. Ouais la cafette c'est après ça. Oh putain là va falloir faire discrètement là je crois. Ouais bah regarde. Vas-y. Truc. Ah, c'est Joe. Ah bah voilà. Quoi? Ah bah, déguisé en requin. Le mec il a têche son truc tranquille. On va se cacher en attendant. Pourquoi est-ce qu'il est heureux cet homme? Je sais pas, parce qu'il rentre chez lui. Non, 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 non. On dirait il dégueule, genre... T'es pas caché là? Ah, je te cache là. Faut attendre qu'il rentre chez lui ou... Non, faut mettre le costume de requin. En passant discrètement. Attends. Oui, voilà. Non, mais putain, mais. Attends. Voilà. You don't have what it takes to... À quel moment c'était discret, mais bon. D'ailleurs. C'est quoi ce truc qui sort de la bouche du requin? Il a l'envers le costume. Oh non. Regarde, je suis un requin. C'est un drôle de requin. Il est costaud le biologiste. Ah bon voilà. What are you doing? Do I have to come down there and show you how it's done? C'est vraiment des grosses merdes. Ils sont vraiment. Ah, mettez la pagaille. Fais gaffe. C'est un poulpe. Plus vicieux qu'un requin, bah c'est un poulpe avec un déguisement de requin à l'envers. Mettez la pagaille. Contre, on de la pagaille. Je vais te passer au milieu et tout péter, mec. Vas-y, passe au milieu. Oh. Ah. Voilà. Oh putain! Voilà, c'est bon. Continue à soumettre la pagaille. Oh, oh, une glace. Il y a un ballon, juste. Je pense.
Ah mais là je suis maudit chariot. C'est toi qui tiens le chariot. Mais non mais c'est moi qui... Oui bah maintenant je l'ai lâché mais... Non avec le bout de bois qui est à côté là ça suffira. Va chercher le bout de bois. C'est un échec. Mais total. C'est toi qui le... Pourquoi ça marche pas. Voilà. Tiens, j'ai même plus envie de le jeter. De toute façon il n'y a pas Gaillou maintenant. Ou est-ce qu'on peut encore casser des trucs? Bah voilà. Calmar, tu fais... T'as les doigts qui collent un petit peu, oui. Je sais pas, non. J'ai plongé dans un pot de miel. Bon, là, c'est bon. Où que c'est qu'on casse? Là, ici. Et si on casse? Ici. C'est bon. Bon, ça suffit, je descends, hein. J'arrive, hein. Faites que des conneries, hein. Il y en a, je te jure. Ça va pas travailler, là. Oula, doucement. Bon, oh, je me glissais juste. Tu peux lâcher la boule de pique. C'est toi ou c'est moi? C'était moi. C'était nous deux. C'était nous deux. Cafétéria Hume. Ah. Bah, faut rentrer par là, en fait. Oh non, mais ils sont sérieux. Si, si. Ils ont un don pour les endroits chiants. Bah c'est un poulpe, tu passes partout. Vas-y. Yep. Allez hop. Il manque plus que ton bras. Bah c'est bon. Bah non, regarde ton bras. Avance tes jambes. T'inquiète, le bras il va suivre. Non, regarde ton bras, il suit ouais, pas. Voilà, c'est bon. Ton bras il voulait pas suivre. Le bras ne voulait pas suivre. Il a fait Non. Non. Nein. Nine. Il voulait pas suivre le bras. Bon alors il se passe quoi dans cette cafette? Oula, il les tient en otage. Il en tient un en otage et... Pourquoi il a attaché que le gosse? Parce qu'il devait pas être sage. Il peut le faire, je ne suis pas fou. Si, si. Voilà. Well then, we're leaving. It's past the kids' bedtime. Les enfants doivent déjà être au lit. You're not leaving until you understand. It's an octopus. C'est incroyable. C'est papa. Personne ne le savait. He is octopus. I'm not crazy. Octopus. Ça explique beaucoup de choses. Je veux dire la seule qui a la tête bien pensante, c'est la gamine, quoi. Et la mère, elle est dépitée parce qu'elle est là. Oh, attends, j'ai ken avec un poulpe. Ouh. Boum. Moi, je me suis dit, c'est un truc qu'on va devoir lui jeter dessus au début. Ah. Un poulpe pour la 12. Il va falloir courir. Ouais. Cours. Il court même pas, lui. Oh, il casse les tables. Non, mais il est so badass, lui. Cours comme un poney, papa. Je suis pas un poney, je peux pas tout faire. En fait, faut éviter de passer dans le film, je crois. Oh là, ça va être chaud là. Bolek. Alors. Tu fais des backflips en passant, tu sais. Wouh. Wow. Non. Par le pouvoir des ailes. Le gosse s'est juste jeté sur lui, tu sais. C'est ça. Comme un gamin, tu sais, il peut le retourner. Comment ça, tu vas m'aider un peu? Hop, oh bah, comme ça. Utile. Ouais, là, ça va être chaud, là. Ouvre un chemin pour Stacy. Et t'as l'autre bout de la cafétéria. Ça va être chaud patate, là. T'as une planche devant toi. Non. Ouf. Par là. Ah, bah, y'en a plus. Faut aller par là-bas, alors. Attends. Oh on dirait que quand tu tombes, du coup, genre, ils remontent instantanément, genre... C'est ça. Ah, on les voit, les planches qui vont se casser. Bah oui, c'est les planches en bois. Ouais. Donc faut aller par là. C'est juste que là, faut... moi, faut que avec je... Avec cette petite musique digne d'un opéra. Ah putain... Pour un poulpe, hein. Pour un poulpe, hein. Alors, je fais des claquettes un peu. Hop. Ah. Ouf. T'as géré. Parce que là, si on recommence, c'est au début, après. Oh. Et du coup, après, on passe par où? Qu'on peut pas lui jeter sur la gueule? Oui.
Papa, il y a des interrupteurs automatiques, Jérôme, ils sont trop loin. Faut que je passe par la poutre là, sérieux? Je crois, ouais. Okay. Speedrun! Ouh, tu gères bien ton truc là. Oula, oula, oula. Ah non, 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 rentre ta jambe. Non! Non! C'est pas celle-là, putain! Oh, putain, on était au bout quoi. T'as bougé juste la mauvaise jambe. Attends. Mais non! Je me suis dit. Peut-être. Peut-être qu'en sautant, ça, j'aurais eu le temps. Non, ça en fait, ça se casse instantanément. Faut aller par là. Oh, la perte de temps, quoi. De ouf. On était presque au bout, quoi. Mais. Putain! Ouh. Non, bouge la bonne jambe. Voilà. Faut juste faire doucement. Ouais, mais doucement, c'est pas mon mot. Mais faut s'habituer à cette situation. Qu'est-ce que tu veux? What? Non mais, hey, c'est nickel, c'était quoi ce truc? Ah, on revient là. Ah bah nickel. Ça nous a fait passer de l'autre côté, bon parce bah. Parce que j'ai trop raté. on est trop nuls, ils nous ont fait. Je me suis un peu envolé en bas, j'ai fait... C'est quoi ce bug? C'était le poulpe volant. Non mais stop. Non mais non. Non 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 non. Attends, on est à côté là, tu vas me dire qu'il arrive pas. Doucement, par là. Là, ah ici. Suis le tentacule. D'ailleurs blasé. C'est le. Pourquoi je fais ça? C'est chiant. Attention à pas tomber hein. Bon, on est tombé, on est cramé 10 fois. Oh ouais, bon, ouais. Là je suis déjà free. Là. Ça va tomber là. Non mais là tu peux marcher, c'est bon. Ah oui. Faut que ça tombe. Comme ça. Hop là. Tu sais, ils ont mis un petit ils ont mis un petit Boucher 3 bouches de poisson. Ah, faut aller de l'autre côté alors. Oh putain. Oh d'accord. Ah, ils nous les envoient. Faut ramasser les trucs. Et en esquivant ce qui nous balance l'autre. Non, je vais, t'inquiète. Ah, bon, attends, je te le laisse. Vas-y, mets-le sur le poisson. Faut éviter de se faire toucher. Hein. Allez, je veux bien, mais sauf que c'est incontrôlable, putain. Tu veux que je le fasse? Vas-y, lâche. Bon, bah. Je crois qu'on s'est noyé en même temps d'après. Bon, ça y est, comme ça on recommence. Décidément, c'est la. Ah, vas-y, bon, je te laisse prendre les boules parce que c'est vraiment de la merde. Ouais, bonne soirée, esquive. Vas-y là. Bah approche-toi toi. Ah voilà, il lui tâche des voilà putain. Allez, faut que t'esquives des trucs. Merde. Attends. Voilà. Hop. T'as essayé d'attraper au vol, non? Ouais. Ah bah regarde, moi j'ai une chaise. Ah putain, j'ai. Hop. Je l'ai bien esquivé là. Vas-y, hop. Oh. Joli celui-là. Celle-là, je l'ai au vol. Hop, et voilà. Mais là, le pistolet, il va décoller. Ouais. Tiens, ouais, mais d'où? Voilà, occupez-vous du chef. Il est où son couteau? Le mec, il prend une échelle, tu sais. C'est un rack à plateau. Alors? Alors, on fait moins le malin? Alors? C'est... Tu lui fais un bisou juste? Je lui fais un câlin. Bah, lui, c'est mon amour pour lui mettre la clé. Il va lui mettre de l'encre plein à la bouche. Bah, même pour la guerre? Et du coup, lui, il va décider. Oh! Je ne t'ennuierai plus. Après t'avoir tué! Après avoir tellement fait chier. Je m'en vais. Comme ça. Bon, il va falloir un peu de temps pour m'habituer. Bon, mais... Imaginez pire qu'un poulpe. T'es déjà marié avec lui, t'as fait des enfants avec lui. Bah techniquement... Approche-moi, prenez-moi 10 ans plutôt. Attends. C'est papa, mais un poulpe. D'où vient Stacy et moi? Mais vous êtes adopté? Oui, je crois voilà. Que c'est ça en plus.
Mais chérie, tu sais, c'est la chute du truc. Mais chérie, t'as été adopté. Sérieusement. Bonne d'enflure. Ah, bah voilà. Meilleur papa du monde. Un film d'action, c'est un choix intéressant. Attends, popcorn. Eh, hey, qui veut du popcorn? Regarde-moi ça, les gars. Hop là, allez. D'où tu sors de la salle? T'as pas le droit. Ah, oh mec, regarde, il me pousse. Il me pousse juste. Ah, il est content, il a smiché un petit sourire. Ouais, allez. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Ah bon? Non, faut ranger la salle. Allez, c'est parti, ça dégage. Voilà dans la fesse. Tiens, bah, même pour les viewers, dans la gueule. Voilà. Hop, c'est gratuit pour les abonnés. Voilà, vous prenez les boissons, du popcorn, on vous les envoie. Oh là non, bah, c'est gratos. Allez, profitez. Profitez, voilà, oh, hop, un deuxième. Tiens, de la boisson, du allez, popcorn. Voilà. Profitez. Allez. On envoie même le poulpe. On part avec. Mais on peut sortir. On peut sortir de la salle. On peut sortir. Ah, bon. Ah bah oui. Ouais. Débarre. On a fini le cinéma, hein. Voilà, le film était bien, le générique. Bah, le film a duré 5 minutes, c'était intéressant. Même pas très ouf. 3 heures de film. De la merde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des passages redondants. Ah mais oui, d'accord. Mais du coup, on a fini. La pieuvre est faite. Le truc qui a écrit, la pieuvre est faible. Non, est faite. Ouais, donc, on va vous laisser là. Et donc, on a terminé l'aventure principale d'Octodad. Et après, on aura les petits suppléments. Donc, on vous présentera ça un peu les plus tard. Les deux DLC. On va dire, ouais, le DLC d'Octodad. Le DLC ou les deux? Bon, bah, ciao tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner ou liker. Dans le bus. À plus. Dans le bus. C'était la belle gueule de fin vidéo. Bonsoir.